Bonjour à tous les gamers, alors on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait au moins une semaine que j'en ai pas faite. En ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos sur des jeux parce qu'il y a mon Fraps qui bug, qui n'enregistre pas mon son, et ça m'énerve. Il faudrait vraiment que je résous ce problème. Pendant ce temps, je vous fais des tutoriels. Si vous avez pu remarquer, j'ai une toute nouvelle intro qu'un super GFX m'a fait qui se nomme TriprodFR. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait des super intros. Donc j'ai eu deux abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo pour comment personnaliser son Google Chrome, etc. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pour personnaliser son Google, ou plutôt Google Chrome, il faudra vous rendre au Chrome Web Store. Donc moi j'ai une table DJ, voilà, j'aime bien. Vous rendez au Chrome Web Store. Voilà, ça c'est. Vous mettrez le lien du site dans la description. Sinon, je crois qu'on peut y aller aussi en. Non. Ouais. Voilà, vous rendez dans le Chrome Web Store. Donc moi je l'ai ici directement. Donc je clique dessus. Et là, vous allez dans la catégorie thème ici. Voilà. Ici, voilà, il y a des thèmes assez mignons. Voilà, j'aime beaucoup ce thème-là. Bon, je vais pas le mettre quand même. Vous voyez, il y a plein, 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 plein de thèmes. Donc, si vous voudrez, je vous ferai une vidéo comment créer son thème, hein. Peut-être à l'avenir. Il y a beaucoup de thèmes assez stylés. Donc, ici, on peut rechercher son thème. Ici, on peut trier par les populaires. Donc, on va aller voir un peu les populaires. Voilà, ça c'est les populaires, surtout celui-là. Si vous regardez beaucoup de vidéos, les gens ont ce thème. Donc là, par exemple, si je mets Black Ops 2, par exemple, je vais avoir des thèmes de Black Ops 2, comme vous pouvez voir. Après, voilà, il y a plein de thèmes. Donc, vous cliquez dessus. Vous voyez, celui-là, il y en a qui sont payants, ça je ne le savais pas. Mais ils sont pratiquement tous gratuits, par exemple, vous cliquez dessus. Vous cliquez là, voilà, vous activez, et après, quand vous allez vous faire là, vous aurez le thème. Donc moi, j'ai pas envie de le changer, je laisse celui-là. Donc, vous pouvez aussi personnaliser votre Google Chrome avec une autre manière plus avancée, c'est avec Stylish. Vous voyez ici, qui se télécharge aussi au Chrome Web Store. Donc vous allez dessus et vous cherchez Stylish comme ceci. Et vous le téléchargez ici. Évaluer, voilà, vous faites OK. Et quand vous l'avez, il est là. Donc, par exemple, vous voyez mon Google. Là, il est comme ça. Je vais prendre Stylish. Je vais faire rechercher deux styles pour ce site. Voilà. Et là, vous avez plein de thèmes Google. Vous avez plein, 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 plein. Donc, par exemple, on peut mettre celui-là. Noir brillant Google. Je l'installe. Fais OK. Et voilà, il est installé. Donc, j'espère qu'il va pas bugger. On recharge la page. Ah oui, il bug parce que j'ai déjà mon thème qui part dessus. Donc, c'est normal que ça bug un peu. Donc, celui-là, on va l'enlever. Par exemple, celui-là. Ah, vous voyez? Ça, c'est un thème que j'avais installé avec Siege qui se nomme Matrix. Donc, vous voyez, ça peut rendre vraiment stylé. Hein. C'est carrément un Google animé. Donc, ça peut vraiment être... super quoi. Donc, je vais l'enlever. Hop. Désactivé. Donc mes deux abonnés qui m'ont demandé ce tutoriel, j'espère que vous serez contents. Et pour les autres aussi, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Allez, ciao.